Merci, chers collègues. Une petite précision complémentaire qu'on va vous apporter, c'est que Thomas Bottel, c'est qu'il y a un stage qui est inscrit au plan académique de formation, justement sur le système d'évaluation par contrat de confiance qu'on va vous présenter avec Corinne. Alors Thomas va vous apporter quelques précisions, donc vous serez les bienvenus si ça vous intéresse. Oui, alors merci, c'est vrai que j'ai complètement oublié, submergé par l'émotion tout à l'heure, de vous donner cette information extrêmement importante depuis la rentrée de septembre. Après un travail acharné, un combat acharné, l'évaluation par contrat de confiance qui va vous être présentée est inscrite en formation établissement, je précise, au plan de formation académique. Voilà. Donc la démarche est la suivante, puisque ce n'est pas soumis à la fermeture des inscriptions comme vous avez eu pour les inscriptions individuelles. La démarche, c'est de rencontrer, d'en parler à votre chef d'établissement, voilà, et de lui demander ce stage. Et donc après, ça suit son cours habituel. L'autre solution, donc il y a ce stage qui est là, une première possibilité. L'autre solution, comme je vous l'ai dit, c'est de passer par le mail professionnel, le mail académique. Je vais peut-être vous le livrer tout de suite. Alors il est un peu complexe, mais je vais le détailler. Thomas avec un T majuscule, si vous voulez le noter. Le tiret 6, le tiret du milieu, parce qu'ils m'ont fait une fleur, ils m'ont donné un très long. Daniel, prénom masculin, D majuscule, A-N-I-E-L. Vous pensez que c'est fini? Toujours pas. Tiré, toujours le 6. F, je vous laisse deviner pourquoi. Point Botin, B majuscule O de TIN. Et puis après, assez Versailles, point FR. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, c'est un travail d'équipe. Hein, et, ça accompagne. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'en retourne à mon activité du mercredi. Merci à tous. Merci Thomas. Alors, on est tout à fait dans les temps. La deuxième partie est plus courte que la première, mais tout aussi importante. Mais la seconde partie sera prolongée d'ailleurs par des réponses à vos questions. Donc on arrêtera à 4h30 comme prévu. Pendant une heure environ, je vais vous présenter avec la collaboration de Corinne, qui apporte un témoignage de prof de terrain. Et il restera à peu près trois quarts d'heure. On est vraiment dans les temps. Pour toutes vos questions, et on répondra à toutes vos questions. Alors d'abord, le système d'évaluation par contrat de confiance. D'abord, petite remarque, en 2003, il y avait eu un tel succès médiatique à la sortie de mon premier livre que naïvement, je pensais que c'était arrivé, que tout le monde avait pris conscience de l'existence de la constante macabre et que ça allait être supprimé. J'avais écrit à Chirac, j'avais écrit à Truc, voilà, j'ai dit ça y est, c'est gagné. Il y avait eu plein d'articles, je vous dis, de passer les 1000, mais pas juste une année, hein, depuis... Et puis maintenant, je peux affirmer que je me trompais, que c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que je dis, c'est comme pour arrêter de fumer. Quelqu'un fume, alors vous lui démontrez que c'est mauvais pour la santé, et puis il vous dit, un peu désemparé, oui, je suis convaincu, mais il faut m'aider à m'arrêter. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, il faut savoir que la constante macabre, c'est vraiment dans nos cervelles, c'est encastré dans nos cervelles, et puis... Dès qu'il y a une ouverture, ça ressurgit, moi le premier, hein, je vous assure. On a de tels réflexes que c'est difficile de changer ces réflexes comme ça. Et c'est ainsi qu'est apparue pour moi la nécessité d'accompagner les profs, d'aider à se débarrasser de la constante macabre. Et j'ai mis en place, proposé, un système d'évaluation que j'appelle par contrat de confiance, dont le principal objectif était celui que je viens de dire, c'est-à-dire suppression de la constante macabre. Même si on se rend compte maintenant, et Corinne va compléter, que ça a bien d'autres avantages auxquels je n'avais pas pensé. On va revenir là-dessus. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, non, d'abord, système recommandé. Ce système-là, on ne le fait pas en cachette. Il était dans la circulaire de rentrée, à l'époque où Jean-Michel Blanquer était DGESCO, c'est-à-dire c'est le ministère, hein, très haut poste, numéro 2 du ministère, il l'a été. Il avait fait mettre dans la circulaire de rentrée, il recommandait ce système. Dans le rapport parlementaire de Jacques Grosperrin, le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui le recommande aussi, il est déjà mis en place par plusieurs dizaines de milliers d'enseignants. Alors, je n'ai pas de comptabilité, mais il y a plus de 50 000. Mais je ne sais pas combien il y en a. On n'a pas les moyens, un secrétariat, ni rien, de faire une comptabilité. Puis en plus, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est surtout d'obliger personne à le faire, bêtement, et de convaincre, par contre, de l'intérêt de la mise en place de ce système. C'est ça notre objectif. Et ce système a été expérimenté, je peux dire très sérieusement, par des centaines d'enseignants, des inspecteurs, j'ai oublié de le marquer, il faut que j'ajoute, au niveau il y avait un inspecteur d'académie, des inspecteurs, pendant 3 ans, entre 2005 et 2007. Donc c'est pas un système et on tient compte, bien sûr, dans la présentation qu'on va vous faire avec Corinne, des résultats de ces expérimentations. Alors, mise en pratique, une analogie, ça permet de bien comprendre. Le code de la route. Vous savez comment ça se passe, le code de la route, vous avez un livret avec des situations de conduite, des panneaux de signalisation. Et le jour, au revoir Thomas, merci d'être venu, au revoir Raphaël. Et voilà, c'est l'obligation de papa. Et le jour de l'examen, ce code de la route, on attend du candidat une aptitude à restituer à l'identique. C'est-à-dire, on ne montre pas au candidat un panneau de sens interdit, violet, assuré en jaune, pour voir s'il devine que c'est sens interdit. On lui dit, qu'est-ce que c'est ça? À l'identique. C'est le mot qui fait peur, dont on va parler, j'en suis sûr, dans le débat. À l'identique. Une aptitude de la part du candidat à restituer ce qui existe dans ce fascicule, sans piège. Et vous savez comme moi que tout le monde n'est pas reçu au code de la route, pour la première fois. Donc je veux dire, c'est pas si facile de restituer à l'identique des choses qui sont écrites. Ben, ce sera le principe un peu de base de ce système d'évaluation par contrat de confiance, avec tous les chocs que ça peut procurer. On commence à avoir l'habitude avec Corinne de voir les réactions des salles, des collègues, mais à l'identique, on va les rendre idiots, ils vont savoir faire que restituer des choses, ils vont pas réfléchir. On va répondre à tout ça, rassurez-vous. On est là pour ça, justement. Alors, plus précisément, avec une parenthèse, je sais qu'il y a des collègues la proportion, je crois que les collègues du primaire sont plus nombreux, et les collègues du secondaire, levez le doigt, juste pour voir un peu, que je sache. Oui, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes quand même un certain nombre. Alors, je dis tout de suite, au primaire, c'est plus facile à mettre en place, parce que vous n'avez pas de problème d'emploi du temps, vous les avez tout le temps, les élèves, vous organisez votre enseignement, et la gestion de votre classe comme bon vous semble, que ce soit clair. Donc c'est plus facile au primaire, vraiment. Sinon, le principe, je vais le présenter pour le collège, mais au primaire, après, on dira quelques mots, c'est plus facile. C'est à peu près une semaine avant le contrôle. Au primaire, ça peut être 2 jours avant, ça peut être le jour même. Il faut comprendre surtout la philosophie de ce système. Le professeur donne une liste de questions qui ont toutes été corrigées en classe. Parce qu'on pourrait se dire, il donne une liste de questions en disant, allez chercher tout seul l'exercice qui est dans le livre. Non. Tout a été corrigé en classe. C'est-à-dire, l'objectif, il ne faut pas se voiler la face, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les élèves travaillent pendant la phase d'apprentissage. Et je vais même plus loin, qu'un élève qui n'a pas été concentré, ben tant pis pour lui, quoi, en quelque sorte. Hein, de favoriser les élèves travailleurs, celui qui a bien pris son cours est favorisé, clairement. On donne une liste de questions, on balaye le programme, et l'élève sait que pour l'essentiel du sujet, alors environ c'est 16 points sur 20,
C'est un ordre de grandeur. Ça peut être 18 sur 20, ça peut être 15, mais pas descendre au-dessous. Hein. Sinon, l'élève, ça ne lui sert à rien. Il sait que l'élève aura, le jour du contrôle, à l'identique. C'est le mot qui fait peur. Il faut l'écrire avec des lettres majuscules, identiques. Des exercices qui font dans la liste. Ou en français, ça peut être une dictée préparée. Enfin, ça se fait déjà, d'ailleurs. Hein. C'est pas nous. À l'identique, il aura ça. Et les autres points, les quatre points restants, une ou deux questions. Alors, pas à l'identique, mais faites attention, on va y revenir tout à l'heure, pas des questions musclores, des questions faisables, c'est-à-dire qui ressemblent à ce que l'élève a fait, mais avec d'autres données dans l'énoncé, pas à l'identique. Quatre points. Alors, conditions sur cette liste. Oui, une remarque. On ne donne pas le sujet à l'avance. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait... vous choisissez dans votre liste 8 activités, 8 exercices qui balayent le programme. Le jour du contrôle, il y en aura 2. On ne donne pas tout le sujet à l'avance. Maintenant, là aussi, de la souplesse. Si vous avez des élèves très en difficulté, moi, ça ne me gêne pas que vous jouiez là-dessus. Vous pouvez poser une liste de 5 questions en ayant 4 questions le jour du contrôle. C'est à vous de voir. Mais le principe, c'est de ne pas donner le sujet à l'avance. Sauf si vous avez des élèves vraiment en difficulté. Alors, les conditions sur cette liste, apprentissage par cœur immédiat, impossible, interdit. Mais ça relève du bon sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas poser une liste, par le cas des maths ou de l'orthographe ou de la conjugaison, où vraiment, par exemple, en maths, si vous posez 4 exercices, mais si vous attendez de l'élève seulement la réponse, l'élève peut très bien ne rien avoir compris, il reconnaît l'exercice, il dit « oui, je sais que dans le premier cas, on trouve 4 mètres carrés, dans le deuxième cas, on trouve 18 billes ». Ça ne prouve rien. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu de matière, de réflexion, pour montrer que l'élève est capable d'enchaîner, de faire des liens entre les différentes notions. Que ce soit clair, hein. C'est interdit, sinon c'est idiot. Vous n'avez pas posé un QCM, ABACE. ABACE. L'élève reconnaîtrait le QCM, mais il apprend pas ABACE. ABACE, non, c'est interdit. Il faut qu'il y ait un peu de raisonnement sous-jacent. Conforme au programme officiel, je l'ai dit, longueur de la liste raisonnable. Alors faites attention, il peut y avoir une tendance des professeurs croyant bien faire, mais qui chargent la mule, comme on dit, qui posent des listes de révision trop longues. Il ne faut pas. C'est pour ça que je donne un ordre de grandeur, 3 ou 4 fois la longueur du sujet. La liste ne contient que les questions, on ne redonne pas les corrigées. Là aussi, on dit pourquoi, tant qu'on y est, on ne redonne pas les corriger, parce que vous avez compris, si vous posez un contrôle par mois, vous donnez la liste et vous donnez les corrigés, l'élève un peu malin se dira, je peux dormir pendant tout le temps, parce qu'une semaine avant, j'aurai à la fois les exercices et le corrigé. Non, l'objectif, c'est de favoriser les élèves qui ont bien pris leur cours. Parce que c'est bien clair, ça. Hein. Donc, alors, remarque importante, mémorisation, le par cœur, donner du science, RAC, dans toutes les matières, ça. Alors, pourquoi ? C'est pour anticiper un peu sur la discussion qui va suivre, mais il vous restera des questions à poser, rassurez-vous. Ce qui fait peur, quand on présente ça, on commence à avoir l'habitude depuis le temps, des réactions des collègues, légitimes, hein. Moi si j'étais à votre place, je ferais pareil. C'est, mais c'est pas possible, l'élève ne va... on va tester que c'est son aptitude à restituer bêtement, quoi. Il va apprendre par cœur. Est-ce qu'on est sûr qu'il a compris ? Vous voyez, toutes les questions qui... Alors, c'est pour ça que j'apporte quelques précisions. D'abord, mémoriser, ça ne rend pas idiot, l'apprentissage par cœur. Sinon, tous nos médecins seraient idiots. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en première année de médecine, il n'y a que du apprentissage par cœur. Ça m'a d'ailleurs amené à introduire ce que j'appelle RAC. RAC. Vous devinez ce que ça veut dire, RAC. Rien à comprendre. Et quand il n'y a rien à comprendre et qu'on essaie de comprendre, on ne comprend rien. Et on s'inquiète. Mais du RAC, parce que c'est une question de mode, ça. L'apprentissage par cœur,
une pure mode. Hein. Il y a la mode dans l'habillement, dans les cravates, dans les autos, dans les... il y a la mode aussi dans l'éducation. Les brillants planeurs en France nous ont fait croire qu'il ne fallait pas... Le par cœur, c'est à rejeter. Il ne faut pas, il faut donner du sens à tout. C'est de la fumisterie, je le dis pour qu'on le répète, hein, certainement. C'est-à-dire, il y a du rack, c'est-à-dire des choses que l'on présente où il n'y a rien à comprendre, partout, y compris en maths, parce qu'il y en a qui, les professeurs, ça c'est un mal français. Chaque professeur souvent croit que sa matière est exceptionnelle. Une fois, une professeure de français, là c'est juste pour rigoler un peu, c'était à UCL, toujours pareil, ça m'avait marqué cette journée-là. On était 4, il y avait 400 personnes. Au moment des questions, elle lève le doigt à la fin de la salle. Et alors, elle commence par me couvrir de compliments. Dire, c'est très bien, vous savez. Le système EPCC, c'est bien en maths, en physique, en langue, en truc. Et bien, elle dit, mais vous comprenez, en français, c'est différent. Parce qu'en français, il faut réfléchir. Bon, ça avait évidemment fait rire tout le monde, mais enfin, c'est... elle avait dit un peu tout haut ce que beaucoup de profs de français croient, que quand on fait, il faut réfléchir. Et en maths, j'avais eu droit à un truc analogue, c'était... Je disais dans une de mes conférences, vous savez, il y a du rack partout. Il y a une prof de maths, une jeune, c'était touchant, qui lève le doigt, mais poliment, hein, très poliment, qui me dit, Chantibi, je ne peux pas vous laisser dire ça. En maths, il n'y a pas de rack. En maths, tout se démontre, tout se déduit. Alors je lui avais dit, ma prof, si vous savez combien de livres de maths j'ai écrit, si vous savez ce qu'il y a comme rack en maths, c'est terrifiant. Les notations, les définitions, les conventions, c'est bourré de racks. Et en plus, c'est ce qui rend les maths peut-être pour certains difficiles, et en plus il faut raisonner parfois. C'est-à-dire raisonner, c'est-à-dire faire des démonstrations. Mais c'est bourré de racks. Alors évidemment, on peut donner du sens à tout. Dès qu'on présente quelque chose, moi je dis il faut l'accepter dans la catégorie rack, mais on peut... donner du sens. Alors je donne l'exemple volontairement un peu provocateur. En anglais, par exemple, le prétérit de to eat, c'est hate. Alors la prof, jeune prof, là, qui arrive, qui veut écouter les brillants planeurs, elle dit quand même, non, je ne peux pas présenter comme ça. Prétérit de to eat, c'est hate, il faut quand même donner du sens. Pourquoi? C'est pas eated, pourquoi c'est hate? Alors Shakespeare, après un repas arrosé, et est sorti, et puis il a dit à sa compagne, Ehen. Et puis, 40 ans plus tard, un de ses descendants a carrément supprimé le dé final. Et c'est ainsi, au fil des temps, que le prétérit de tuit est devenu eit. Alors ça ferait un excellent sujet de thèse à Bac plus 50 que personne ne lit. Vous comprenez? Mais on n'a pas le temps. Non, je veux dire, en maths, c'est pareil. Toutes les notations en mathématiques, les définitions, ça fait partie de l'histoire des maths. C'est une spécialité des mathématiques, ça prend un temps fou. Chaque chose a une histoire, évidemment. Mais si vous faisiez ça, vous traiteriez même pas le centième du programme, que ce soit clair. Si chaque fois que vous voulez donner du sens, même pas le centième, le millième du bon fond. Donc, évidemment, il faut accepter que le rack fait partie de notre enseignement. Moi, je remercie mes maîtres qui m'ont obligé d'apprendre par cœur mes tables de multiplication. Là aussi, on peut donner du sens. 9 fois 8, 72. Je ne me trompe pas au moins. Hein. Ah non, on ne peut pas présenter comme ça. Non. Il faut donner du sens. Alors 9 fois 8, c'est 9, c'est 8 fois 9, ça fait 8 fois 10, moins 1 fois 9, moins un truc. Le millième du programme, vous allez traiter. On ne peut pas. On est obligé de faire avec. Que ce soit très clair, ça je veux le dire. Et en plus, je dis bien que la mémorisation, ça c'est le mal français, parce que l'apprentissage par cœur, ça c'est une parenthèse. À l'époque, dans mon livre sur les paradoxes, je me suis penché là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre par cœur? En France, j'ai questionné beaucoup de profs, 300, je ne sais plus combien. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est associé à une idée négative, c'est les brillants planeurs ça, qui nous débarquent. Ça se voit très bien dans les réponses, hein. Et il disait quelque chose de négatif, il faut toujours donner du sens. Par hasard, je faisais une conférence en Belgique francophone à cette époque-là. J'ai posé la même question. En France, c'est 2 fois sur 3, c'est associé à quelque chose de négatif. En Belgique francophone, 6%.
c'est purement une question de mode, arrêtons la mascarade, quoi, hein, je vous le dis clairement, là, hein. L'apprentissage par cœur, il faut apprendre par cœur les verbes irréguliers en anglais, l'étape de multiplication, des trucs comme ça, sinon on s'en sort pas, c'est un choix. C'est un choix, on traiterait le millième du programme, en gros, voilà ce que je dis. Alors maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape, séance de questions-réponses pré-contrôle, elle avait été oubliée. C'est grâce à une discussion tout à fait improvisée. La recherche, c'est souvent ça. Pendant 6 mois, on ne s'était pas rendu compte qu'elle était indispensable, cette étape. Une discussion avec ma mère, avec, comme ça, je ne passe les détails, que ça m'est venu. La recherche, il y a aussi, ne croyez pas que tout tombe d'un coup. On était une bande de militants au départ. Et maintenant, avec recul, quand on comprend à quoi ça correspond, cette séance, on se rend compte qu'elle est indispensable. Parce que là, sans jeu de mots, avec ce système d'évaluation par contrat de confiance, les cours particuliers, c'est payant. Puisque le prof de cours particulier, il fait tous les exercices qu'il y a sur la liste, toutes les activités. Donc il est sûr qu'il ne travaille pas pour rien. Alors pour éviter cette injustice entre les riches et les pauvres, appelons un chat un chat, cette séance de questions-réponses, elle est indispensable. C'est-à-dire, le prof, alors au primaire, c'est très facile, vous l'organisez comme vous voulez. Mais au secondaire, par exemple, si vous donnez une liste de révision un lundi pour le contrôle le lundi d'après, eh bien, le vendredi, vous organisez une séance de questions-réponses, c'est-à-dire que les élèves qui ont pris connaissance de la liste et qui ont des questions à poser, les posent et vous leur donnez une chance, vous répondez à leurs questions. Elle peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ça dépend du volume de révision. Vous donnez une chance aux élèves travailleurs, le mot-clé c'est travailleurs. Troisième étape, contenu et correction de l'épreuve. Alors le choix des questions, équilibré, alors c'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'enseignant, on ne peut rien faire dans notre pays, nulle part d'ailleurs, si on ne fait pas confiance aux enseignants. D'ailleurs souvent je fais sous forme de demi-boutade, je donne un truc, parce que j'ai horreur d'obliger des collègues, sans leur expliquer, sans leur dire à quoi ça correspond, les obliger à faire quelque chose. Alors je donne le mode d'emploi. Si un jour on vous oblige à mettre le PCC en place et que vous voulez le faire, mais en contre-cœur, vous allez le faire avec des moyennes qui baissent. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez la liste de questions, mais on sait très bien que les questions n'ont pas toutes le même niveau de difficulté. Et vous le saurez d'autant mieux que vous aurez la séance de questions-réponses, vous verrez les points qui ont embêté vos élèves. Donc je veux dire, c'est... Alors le prof qui a l'esprit un peu particulier, pour pas dire tordu, il pose les questions les plus pourries de la liste, dans son contrôle. Il dit, ah, moi, j'ai fait le PCC, hein. J'ai regardé, j'ai posé 3 questions. Non, ça veut dire qu'inévitablement, il faut faire confiance au prof. Alors, quand je dis le sujet, choix des questions équilibrées, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous posez un peu de tout, pas les questions forcément les plus faciles, etc. C'est ça que ça veut dire. Longueur du sujet raisonnable. Alors, ça, par contre, croyez-en. Mon expérience, même moi qui l'ai mis en place dans mon enseignement à la fac, je me suis planté. Parce que c'est toujours la constante macabre qui est là. Elle tournoie et dès qu'il y a une ouverture, elle rentre dans nos cervelles. Là, quand vous posez, moi-même je me suis planté, j'avais posé à mes étudiants, à qui j'avais fait en plus des futurs professeurs des écoles. Je donnais des cours à Bac plus 4, juste avant leur concours. Et je faisais un cours justement là-dessus de didactique sur l'évaluation par contrat de confiance. Et le jour de l'examen, donc ils étaient évalués avec ce système, l'épreuve devait durer 2 heures. Heureusement que l'amphi était libre après, je l'avais posé tellement long, ça avait duré 3 heures. Remarquez, j'en aurais tenu compte pour les notes, mais enfin c'était tout. Ça veut dire que, croyez-moi, il faut vraiment faire attention que la constante macabre est toujours là. On a tous les... Et là, c'est-à-dire, sachant que les élèves avaient la liste, etc., j'avais allongé le sujet. Donc c'est pour ça que je donne une mise en garde. Pour une épreuve d'une heure, les meilleurs élèves doivent terminer une 20aine de minutes avant la fin de l'épreuve. Ça, je ne l'ai pas mis en place, moi, malheureusement, dans ma carrière. Dans ma carrière, je me disais toujours, le sujet était faisable si Musclor a eu le temps de tout faire. C'est idiot. Parce que d'abord, Musclor, ce n'est pas le même d'une année à l'autre, et puis ce n'est pas de la course à pied. Il faut laisser réfléchir les élèves, ce n'est pas la peine de travailler à toute vitesse et bêtement.
Alors, est-ce qu'il faut oublier les bons élèves? Surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire que vous avez toute la phase d'apprentissage pour les valoriser, et là, les élèves qui auraient fini avant la fin, eh bien, ce n'est pas une obligation, mais une suggestion, vous pouvez leur proposer des exercices difficiles, clairement, et les valoriser. C'est bien, tu as su le faire, sans note et hors barème, pour les occuper. C'est une manière de faire. C'est... Question hors liste, faisable. On pourrait faire des sketchs entiers, là, mais j'ai pas le temps. J'en ai déjà fait quelques-uns. Là, je dépouillais et je contrôlais toutes les expérimentations au tout début. Donc, les militants de la première heure, moi, je suivais surtout les maths et un peu la physique. En maths, un collègue militant de la première heure, prof de maths de lycée, qui me dit « Ouais, j'ai mis ça en place, je sais pas ce qui se passe. J'avais 10 de moyenne, à peu près, dans ma classe, ou 9,5, j'ai pareil. » Ça m'étonne. Parce que vous vous doutez qu'avec ce système, les moyennes vont augmenter, je le dis tout de suite, de 3 points environ. Pas de 10 points, hein, 3 points. C'est-à-dire, c'est sur un très grand nombre. Mais là, il me dit, j'ai à peu près pareil, 10. Bon, montre-moi ce que tu as fait. Je me penche sur ce qu'il a fait. Il leur avait posé, je vous assure, vous n'allez pas me croire, une question sur 4 points, la hors liste, que lui-même n'arrivait pas à faire. De la folie. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou. Sa réponse, et la réponse qui revient, c'est la constante macabre, hein, toujours, qui est là, qui plane. Ouais, mais tu comprends, ils avaient la liste. C'est la constante macabre. C'est-à-dire que ça revient. Dès qu'il y a une ouverture, elle revient. Ça dit, tu comprends, ils avaient la liste, ça va, on est déjà très gentils. Alors évidemment, il avait noté sur 16 points, j'ai dit, c'est même pas la peine que je te pose la question. Personne n'a su faire cette question. Il dit, ouais, mais ils avaient la liste. Il avait noté sur 16 points, donc il ne faut pas faire ça. Vous détruisez tout le bénéfice de ce système. Donc la question sur 4 points, il faut qu'elle soit faisable. Faisable, ça veut dire ressembler à ce que l'élève a vu avant. Exigence de la rédaction. Ça, c'était en français, une militante de la première heure, prof de lettres, en lycée aussi. Alors elle, c'était plus pathologique. Elle avait 9 de moyenne, déjà de noté sec, elle était passée à 6. Qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est pas possible. Elle leur avait donné pourtant, vous allez être interrogé sur tel commentaire de texte, qu'est-ce qu'elle avait fait? En se disant que les élèves avaient eu, s'est corrigé, elle était pathologiquement atteinte d'un excès de sévérité. Dès qu'un élève faisait un truc un peu de travers, elle enlevait un demi-point, un point, on peut même arriver à des notes très négatives. Je veux dire, si sous prétexte qu'ils ont le corrigé, vous êtes d'une sévérité absolue, non, ça veut dire quoi? La conclusion, il faut corriger normalement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ne commencez pas à corriger. Non, si je dis ça, c'est parce que ça s'est produit. On a dépouillé beaucoup des expérimentations. Ça s'est produit. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez être d'une sévérité, vous allez détruire tout le bénéfice de l'EPCC. Il faut corriger normalement, comme s'ils n'avaient pas l'EPCC. Alors, si vous faites tout ça, la constante macabre est supprimée, les notes, je l'ai dit, augmentent de 3 points, mais il y a d'autres avantages auxquels je n'avais pas pensé, très franchement. Et Corinne Ottomani, qui est la première expérimentatrice, qui est membre du bureau du mouvement contre la conscience macabre, c'est la première à avoir mis en place le PCC au tout début, et prof de terrain, elle va vous faire part de son expérience. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis donc très, très heureuse à chaque fois que je peux apporter mon témoignage, si ça peut aider certains à se lancer Donc, je suis ravie à chaque fois. Alors, moi, je suis professeure de mathématiques en lycée et j'ai fait 10 ans au collège. Donc, j'ai vraiment eu un parcours tout à fait classique et j'ai rencontré des élèves vraiment de tous âges et de tous styles. Et c'est vrai que en tant que professeure de maths, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer très tôt, par rapport à d'autres, le discours d'André. Parce que il était...
dans, il y en a qui doivent connaître, l'Association des professeurs de mathématiques, la PMEP. C'est donc une association qui l'invitait beaucoup en conférence. Donc moi, je l'ai écouté et j'ai surtout entendu en 2003 ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est-à-dire toute cette conférence. Et ça a été un choc, comme je pense que c'est un choc, même si beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Nous, c'était vraiment un choc très violent pour moi. Pourquoi ? Moi, j'ai toujours été très proche de mes élèves, vraiment, c'est-à-dire très, comme je pense la plupart d'entre nous, toujours depuis mon premier jour, très soucieuse de leur bien-être, très soucieuse d'essayer de passer une bonne heure avec eux, chaque heure, l'une après l'autre. J'ai toujours essayé de mettre un climat que je croyais réussi. Et j'ai toujours eu vraiment ce qu'on appelle une bienveillance envers mes élèves. Bon. Quand vous entendez le discours d'André, cette constante macabre dont j'ai été immédiatement... diapo après diapo, compris que j'étais victime et victime de tout, tout en croyant bien faire, ça c'est très important. Ça a été très très désagréable à entendre, surtout je crois le point mettre une mauvaise note gentiment. Moi j'ai toujours détesté mettre des mauvaises notes et j'ai toujours mis des 2 et des 10 de moyenne et j'ai toujours... essayer d'atténuer cet épouvantable moment qui était pour moi donc toujours épouvantable de leur rendre. Vous avez vos élèves, c'est sympa, le prof est sympa, les élèves, la bonne ambiance. Et toc, 2. Et j'ai toujours dit, c'est pas très grave, t'es très proche du 3, ne lâche rien, continue. Quand vous entendez André qui vous dit, et ce qui paraît tellement évident, mais je ne sais pas, j'étais dans une autre logique, que c'est bien plus simple pour le petit ou le grand qu'ils disent « quelle salope, elle ne peut pas me voir, je la déteste », c'est très violent, parce que des années, des années, des années. Bon. Alors, plus tout, à la longueur, jamais j'ai pensé qu'un élève pouvait sortir 20 minutes avant. Tout ce que vous avez vu, donc, très violent. Alors, heureusement, j'ai eu la chance de ma vie, bien sûr, c'est de pouvoir participer à la première expérimentation. Donc, quand André nous a réunis, on était très peu, quelques-uns. On s'est lancé, donc, quand je vous vois, vous, le 4 octobre, nous, c'était en février. Février 2005, André, donc, nous a proposé de faire partie de la première équipe qui expérimenterait cette EPCC, évaluation par contrat de confiance. Donc, j'étais en lycée, c'était en Normandie, hein, à l'époque, ça fait que 4 ans que je suis à Toulouse. J'ai toujours enseigné là-haut. Et on s'est lancé, donc, en février, annonçant du jour au lendemain à nos élèves, en imaginant qu'aucun proviseur ne... Enfin, par quelques très rares proviseurs étaient au courant de ce qu'on allait faire, tandis qu'ici vous avez quand même un boulevard, on vous convoque, on vous présente le stage, etc. Il y a très peu de travail au niveau déjà de l'équipe de direction, ce qui est un boulot quand même que nous on a fait, et on a annoncé à nos élèves. Alors bon, c'est vrai que moi je suis très démonstratrice, donc en fait j'aurais dit c'est extraordinaire, vous allez participer avec moi à une expérience, etc. Et forcément ils ont adoré. Quand vous présentez ça aux élèves, ils sont fous de joie. D'abord ils ne vous croient pas du tout, il faut toujours faire 2 contrôles. Donc on leur annonce, je vous rappelle, chaque contrôle sera précédé de la donnée d'une liste. Sur cette liste, qui est à peu près 4 fois plus grosse que le contenu du contrôle, tout ça, c'est venu après. On a fait beaucoup d'erreurs. Et je pense que même si vous nous avez écoutés, je pense que vous ferez des erreurs si vous vous lancez. Ce n'est pas grave du tout. Au bout d'un contrôle, on a compris tout de suite qu'on réajuste. Ça peut vous éviter d'en faire plus que nous. Donc, on leur annonce qu'ils auront une liste. La liste, elle est composée d'une partie, de tout ce que je fais avec eux pendant un mois. Je considère que j'ai une évaluation par mois en lycée. Donc c'est très simple, très très simple. Les élèves, vous leur présentez ça, terminé. Après, on n'en parle plus. Et donc, chaque fois que vous faites un exercice, les élèves, en fait, s'attendent
ne savent pas si vous allez le mettre ou pas sur la liste. Donc la liste, on la donne très peu de temps avant. Moi, je dis une semaine. En primaire, c'est un bonheur parce que nous, on a beaucoup de collègues et de contrôle des collègues et tout. On fait quand même assez attention. Sûrement pas assez, mais on le fait attention. En primaire, ça doit être le rêve d'être seule, donc de pouvoir dire, je le mets là, je donne la liste là, d'être seule. J'ai gêné personne. Nous, vous allez voir, je vous le dirai après, on gêne quand même un peu. Plus grande concentration en classe. Alors, le titre, les élèves travaillent beaucoup plus. L'idée, c'était donc de supprimer la constante macabre. Donc, supprimer immédiatement. Immédiatement. Plus aucun souci. J'ai même rêvé, moi, d'avoir des 18 de moyenne, que des élèves qui avaient 20. Parce que j'étais très prête. Et on s'aperçoit que c'est pas si facile, que déjà 3-4 points de moyenne en plus, par exemple, si vous avez 15-16 de moyenne, c'est déjà très bien, parce que c'est pas si facile que ça, même si on leur a tout donné, les corrigés au fur et à mesure de la période entre deux évaluations, etc. Il y a des élèves pour qui ça reste difficile de retravailler, etc. Donc les élèves, la consomme macabre supprimée, mais en plus on s'est aperçu d'effets... Et encore une fois, mon témoignage est au mot près que chacun de nous pourrait vous dire. Donc, les élèves travaillent beaucoup plus, infiniment plus. D'abord, ils se concentrent en classe en se disant, bon, on va peut-être le mettre sur la liste. De fil en aiguille, heure après heure, ils comprennent l'intérêt d'avoir un peu écouté, plus que ce qu'ils faisaient, et d'avoir pris leurs notes, donc prise de notes plus consciencieuse, révision plus approfondie. Donc je dirais même révision tout court, révision existante. Moi j'ai été prof principale depuis peut-être la première année, je crois, de ma carrière. Et j'ai toujours entendu au conseil de classe, j'ai toujours dit à mes élèves, travaille un peu, tu n'as aucun problème de niveau ou de c'est simplement le manque de travail, manque de travail, manque de travail, manque de travail. Les élèves donc, alors je dis toujours, c'est un peu comme chez vous en Normandie, il fait très mauvais, il pleut quand même, et depuis que je suis à Toulouse, je suis même admirative devant mes élèves, puisqu'il fait très beau, ils ont mille choses à faire dehors, tandis qu'en Normandie, à Rouen, je me dis, bon, dans le fond, il pleut tellement qu'ils rentraient dans leur maison, et pourquoi pas dans leur bureau, peut-être que c'est... Mais alors, à Toulouse, ça me semble, moi je suis corse, alors en Corse, c'est... Et on a toute une équipe en Corse, je peux vous dire que c'est le même constat. Donc les élèves acceptent de travailler, c'est pas que ça devient des fous du travail, ça devient des élèves qui travaillent, ce qu'on leur a toujours demandé d'être, et le travail est tellement efficace, puisqu'ils ont une liste, peut-être une semaine avant, hein, ils la révisent 10 fois s'ils veulent, une demi-fois s'ils ont, ou rien du tout s'ils veulent, ça les regarde, mais ils ne peuvent pas ignorer le fait que les 3/4 des points, 15 points, 16 points, portent sur la liste. Donc le travail est tellement récompensé le jour du contrôle qu'ils acceptent la tâche de travail. Mais vraiment, c'est spectaculaire, c'est vrai que c'est beau à voir, on ne peut pas le mesurer, mais s'il y avait des quantificateurs, on arriverait à s'extasier encore plus. Alors, vous avez le PCC favorise les élèves qui travaillent, donc ça a été un choix d'André, et en fait c'est un choix de toute notre équipe, tout notre mouvement. Les élèves qui travaillent sont... tout à fait au niveau, ont des notes tout à fait correctes et ne sont plus face à des contrôles. Enfin, disons, un élève qui révise, on a tous entendu ça. Moi, j'ai donné des cours particuliers, j'ai toujours révisé avec... en tant que prof de maths, je révisais par exemple un chapitre, genre les vecteurs, et j'ai toujours appelé l'élève le lendemain et qui disait « Non, moi, j'avais bien compris avec toi, mais c'est pas ça que le prof, il a mis. » C'est-à-dire que c'est le grand hasard, le grand mystère le jour du contrôle. Et là, si vous voulez, c'est un élève qui révise, qui prend ses notes. Il fait le travail d'un élève, on lui demande, c'est pas polytechnique. Il révise, il écoute un peu, il prend ses notes, et il travaille sa liste. Je vais profiter pour l'heure de questions-réponses. L'heure de questions-réponses, c'est le plus près possible du contrôle, genre la veille. Et là, vous êtes à la disposition, vous avez 35 élèves. Hein, donc moi, j'avais 4 classes de 35, hein, vous avez à chaque fois le...
Même spectacle à chaque fois. Vous avez donc vos 35 élèves, et vous en avez qui arrivent avec des petits papiers, madame, ils ont eu donc la liste, et ils me demandent, je ne propose rien. D'habitude, j'ai toujours fait des révisions de contrôle. Tandis que là, je ne propose rien, je réponds. Donc toi, vas-y, petit B du 42, on y va, on le fait. Un autre, on essaye d'aller vite. Il n'y en a jamais eu une heure, c'est une heure très physique, parce qu'il faut aller quand même assez vite pour essayer de réviser. La plupart du temps, j'ai fait le contrôle avant, je le conseillerais toujours. Là, vous êtes content pour eux en disant « tu vas être très content demain » ou... Et vous vous apercevez que c'est toujours les mêmes points en fait qui posent problème. Et vous vous apercevez surtout d'une chose, c'est que vous avez certains élèves qui, évidemment, tournent les pages du livre compulsivement, n'ont aucun petit papier où c'est marqué « madame ça et ça », ne posent pas de questions, sont complètement débordés par ce que les camarades... pose comme question. Et là, vous pouvez très bien aller les voir en disant, regarde, encore une heure de questions-réponses, tu m'as rien posé. J'ai bien vu que tu n'as pas révisé. Parce que l'intérêt de la liste, c'est de l'intérêt de l'heure de questions-réponses, c'est de les inciter à réviser au moins un jour avant le contrôle. Puisque la plupart du temps, ils révisent. Par exemple, si vous avez contrôle jeudi, ils révisent mercredi soir. Et du coup, c'est fini, ils sont tout seuls chez eux, et ils n'ont plus personne qui peut les aider. Et là, l'intérêt, c'est de réviser au moins un jour avant et d'avoir cette heure de questions-réponses, et de pouvoir retravailler. Donc, vous pouvez... C'est une photographie de votre classe et des élèves qui sont complètement débordés, qui est très intéressante. Et donc, c'est les élèves qui travaillent, puisque ceux qui sont très à l'aise, les élèves très à l'aise, c'est les élèves qui n'ont jamais travaillé tellement en collège, qui arrivent en seconde, qu'ils ont 15... tranquillement. Eux continuent à avoir 15, heureusement. J'insiste au fait, je profite pour le dire. Parce que moi, c'était un point qui m'a touché beaucoup. Je disais à André, moi, je mets en place, folle de joie de mettre ça en place, mais si un seul, vous voyez, pas 10 élèves, pas 30 élèves, un seul de mes élèves avait eu des résultats moins bien ou était moins bien parce que je faisais ça, j'aurais arrêté. Ce n'est jamais arrivé. Tout ce qui reste comme difficulté serait connue comme difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des difficultés qui apparaissent. Ça ne peut être que mieux. Et ça, c'est tous les professeurs qui... On dit qu'on est 50 000. Mot à mot, personne ne remarque en disant « tout d'un coup, j'ai un élève qui a décroché à cause de ça ». Jamais, jamais. Bon, donc les bons élèves qui ne travaillent pas, ils ont quand même leurs 15, ils comprennent autant qu'avant. Mais là... Ils se voient débordés par des petits 16, des petits 17, des petits 18, des petits 19, pour des élèves que eux trouvaient moins vifs qu'eux, en classe. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui comprennent tout, mais ils font rien, et en fait, ils ont quand même des notes correctes. En seconde, jusqu'en seconde, je dirais. Après, ça se gâte. Mais là, vous avez des élèves qui grignotent et qui ont 16, 17. Donc, les bons élèves sont un peu énervés. Ils aimeraient être bons tout seuls, hein, ça, c'est humain. Et du coup, ils se mettent aussi à travailler pour avoir 20. Donc, les très bons élèves, au lieu d'avoir 15, 16, ont 20. Et c'est une stimulation qui est très intéressante. On a EPCC, un moyen de lutter contre l'absentéisme. Donc ça va vous toucher peut-être plus, puisque j'ai entendu qu'il y avait quelques élèves en difficulté dans certains établissements ici. Donc c'était à Rouen, c'était un lycée de ZEP. C'était, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le lycée Val-de-Seine. De Rouen, donc très difficile, présence policière très très fréquente, etc. Vraiment un lycée à problème dans la banlieue de Rouen. Et là, le proviseur et le chef de travaux m'avaient contacté pour que je... Donc moi, j'étais dans un autre lycée, en plus en campagne, et qui m'avait proposé de faire un peu ce que Thomas propose, de faire un coaching d'une équipe, 100% de l'équipe. Ça, c'est très fort. Moi-même, je n'ai jamais été dans une équipe 100% UPCC, parce que je m'occupe beaucoup trop de l'extérieur, donc du coup, je fais mon travail, mais je milite beaucoup aussi à l'extérieur. Donc, bon. Alors, et puis en plus, ça vous montre que ce n'est pas, si, c'est pas du tout important. Vous allez voir, on va poser des questions sûrement, et on va vous répondre. C'est pas sur un, si vous êtes tout seul, vous êtes tout seul, c'est pas du tout le problème, si le proviseur est d'accord. Donc là, à Val-de-Seine... 100% du prof de PS au prof d'éco-droit, de communication, 100% des profs. Parce qu'il y avait ils n'en pouvaient plus, il y avait un trop grand problème dans ces premières STG. Le taux d'absentéisme avait chuté pour cette classe-là
de façon spectaculaire. Hein. J'ai tous les chiffres, bien sûr, mais on ne peut pas vous montrer tout. Donc l'absentéisme, les élèves, le proviseur m'avait fait l'honneur de m'inviter à leur premier conseil de classe. Donc, tous les élèves participaient à leur conseil de classe. Donc, vous avez 35 élèves de STG qui arrivent. Des élèves à gros problèmes. Hein. Alors, les proviseurs, en plus, comme j'étais là, ils faisaient exprès de poser les bonnes questions. Comment que ça se fait? T'as trois demi-journées d'absence. L'année dernière, t'en avais 20 à la même époque. Tes résultats sont incroyablement meilleurs. Qu'est-ce qui arrive, etc. Tous les élèves. Je regrette vraiment une chose, c'est de ne pas avoir filmé ce conseil de classe. Tous les élèves disaient, ce que nous font les profs, j'ai envie de venir parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai même l'impression, alors que j'étais en seconde, dans un état de déscolarisation totale, c'est-à-dire que des élèves qui ne venaient pas, qui avaient des notes, là, ils disaient, je sais pas, j'ai l'impression que je vais même aller en terminale. C'était vraiment, alors c'était que le premier trimestre, hein. Je ne suis pas allée voir les autres trimestres, mais j'ai eu des échos après que ça s'est prolongé. Donc vraiment, ça, ce n'était pas du tout prévu, ça a été une très belle surprise. Ensuite, des élèves heureux en travaillant, je vous l'ai dit, j'ai toujours voulu que mon heure soit tout à fait une bonne heure pour mes élèves et pour moi. Heure après heure, j'ai toujours pensé à mon ambiance de classe, et je fais le club théâtre, j'ai mis le paquet pour tout le... depuis la première année de ma carrière. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le climat de confiance qu'on croit avoir n'en est pas un quand on fait en plus après évaluation par contrat de confiance. Parce que le jour de l'évaluation, quand vous avez vos élèves qui se disent en début d'année, oh ben le prof elle a l'air sympa, ça va, c'est déjà ça. Mais quand ils ont quand même deux ou trois, ou quand le contrôle ne ressemble pas à ce qu'ils ont fait, ou quand ils ne comprennent pas ce que, etc., etc., la confiance... elle s'en va très vite, et pour certains élèves, vous ne récupérez rien. Et je ne me rendais pas compte du tout, j'ai toujours cru que c'était un bon climat. Une différence avec maintenant, c'est que jusqu'au jour du contrôle, quand vous donnez votre contrôle, d'habitude, les élèves, c'est des têtes ravagées. Bon, ben c'est mort, je suis encore punie tout ce week-end, etc., c'est mort. Là, il y en a qui réussissent, mais beaucoup d'élèves sont... très désespéré, ou même ravagé. Là, vous donnez votre contrôle. Même moi, j'ai sûrement une autre tête. J'attends voir leur tête, alors moi-même, j'ai une autre tête. Je la donne, je distribue. Et là, vous avez les élèves, yes, yes, yes. D'accord, c'était horrible pour eux de réviser mercredi après-midi. Mais ils ont révisé parce que le jeudi, mot à mot, ils voient 15 points. S'ils l'ont révisé, ils comptent leurs points. Je peux vous dire que si vous mettez 12 points alors que vous aviez dit qu'il y avait 16 points, ce qui m'est arrivé au début, je crois que ce n'était pas très grave pour les élèves. Au début, je leur dis, on aura 16 points. Puis je faisais mon contrôle tranquille. Il y avait que 12 points. Au début, hein, tout au début, 2005. Je peux vous dire que les élèves, ils comptaient et ils ne sont pas du tout contents. Madame, il n'y a que 12 points là. Non, ça ne va pas sur la liste. Donc ils adorent. Et donc le contrôle devient tranquille. Moi, je dis que les élèves, vous savez, quand on entend que la France est le dernier pays sur la question « Êtes-vous heureux à l'école ?» C'est atroce, c'est insupportable. C'est notre travail, c'est nos élèves. Je dis toujours que c'est comme un boulanger qui fait du pain. On lui dirait « La France est dernière au niveau de la recette du pain. Les Français trouvent mauvais le pain. » Quel boulanger dirait « Tant pis, personne ne l'aime, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, je continue. » Non. Nous, il y a un gros problème, on le voit, les élèves se désintéressent de l'école, se démobilisent, sont en très gros échec pour certains. C'est un échec anormal. Moi, je dis, vous savez, on est, alors je ne sais pas ici, mais on est allé, c'était à Nantes, on a déjà entendu des échos de la rentrée où les profs ont déjà désespéré des élèves, tout mignons qui arrivent du collège, qui se disent, bon, je suis quand même en seconde, et à qui le prof, beaucoup de profs principaux, ou pas principaux, disent, bon, vous attendez pas à quelque chose de merveilleux, vous allez avoir des notes qui baissent, ça va être beaucoup plus dur, ça va être... Et il y a déjà des parents, on en a plusieurs cas, qui donnent déjà des cours particuliers à leurs enfants. Il n'y a même pas un mois.
C'était déjà il y a une semaine de ça. Parce que tellement ils se disent, le prof a dit que la meilleure note, ça sera 12, etc. C'est monstrueux. Moi, je dis qu'il faut dire à des élèves de seconde, alors je prends des secondes puisque c'est en ce moment mon cas, mais c'est pareil dans tous les niveaux, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Par exemple, le programme de maths, moi, j'ai participé à des livres avec André, d'ailleurs, 4 livres. J'ai bien encore mieux analysé à quel point les programmes de seconde sont très proches des programmes de troisième. Je prends les maths. Il n'y a pas de raison qu'un élève de troisième qui s'en sortait, on lui annonce que ça va être catastrophique. C'est pratiquement le même programme. Et je peux vous dire que moi, mes élèves ont 18, 16, etc. Les moyennes de classe sont tout à fait honorables. Un élève qui a déjà 7 de moyenne, c'est pour moi très grave. Je regarde ce qu'il y a, ses problèmes familiaux, ses problèmes personnels, etc., etc. Ils ont 1000 problèmes à leur âge. Donc, si vous en rajoutez un, nous, dans notre cours, moi, je trouve que c'est très grave. Donc, ça, c'est pour moi très important, ce titre. Les élèves heureux en travaillant. Vous savez, le code de la route, on nous a beaucoup reproché le code de la route, le Parker et tout. Je peux vous dire que quand vous vous lancez, vous avez quand même intérêt à être assez fort au niveau argumentation. Parce que les collègues qui ne sont pas du tout dans cette philosophie ont aussi des arguments qu'il faut écouter. Le code de la route. Moi, j'ai des élèves, tout le temps, qui partent. Madame, je vais passer mon code de la route, je ne suis pas là demain. Ils sont un peu stressés comme tout examen, mais ils savent très bien que s'ils ont beaucoup travaillé leur petit livre et s'ils sont allés au cours, etc., normalement, ils l'ont. Et s'ils ne l'ont pas, ils peuvent le repasser, ils l'auront. C'est très rare, un élève qui ne l'arrive jamais à l'avoir. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc, c'est pas un stress, c'est pas la fin du monde s'ils reviennent. Moi, je suis contente parce qu'ils viennent dans mon compte, ils viennent le jour du contrôle, tranquilles. Vous savez que la première catégorie de personnel d'éducation qui nous a rejoint, c'est les infirmières et les assistantes sociales, mais les infirmières qui, eux, voient les dégâts dans leur cabinet. Dans les lycées. Et voir, moi, mes élèves arriver, alors que ce n'était pas le cas malgré la bonne ambiance de ma classe, arriver le jour du contrôle, tranquille, il n'y a pas de surprise. Ils ont exactement ce qu'ils s'attendaient à avoir. Ils ne connaissent pas le sujet, puisque la liste fait 4 fois plus que le contrôle. Il faut vous dire que pour des classes très en difficulté, on dit qu'ils peuvent même faire une liste une fois et demie. Moi, en lycée, je fais 4 fois. Mais moi, en plus, comme je suis dans le mouvement et que je suis représente, je fais tout bien comme il faut. Mais chacun fait comme il veut, on ne va pas aller voir. Si vous trouvez que vos élèves, si déjà vous leur donnez 4 fois, c'est beaucoup. 4 fois, si vous avez 5 exercices, ça leur fait 20 à faire. Donc, ils révisent des choses qu'ils savent qu'ils n'auront pas au contrôle. Ils n'ont pas le sujet. Honnêtement, pour une classe très difficile, on est allé beaucoup en REP plus à Marseille, dans des établissements, mais des quartiers nord de Marseille qu'on n'imaginait même pas. Je sais pas un nombre de nationalités. Vous voyez, difficile quand même. Et les élèves, ils peuvent très bien être réapprivoisés en donnant une fois et demie la liste, et pour pas que ça soit trop. Si vous donnez une liste trop grande, les élèves révisent plus non plus. La tâche est énorme, bon, ils renoncent. C'est très, très fragile. C'est très facile à mettre en place. Il faut être assez strict avec l'application. Alors, les élèves, vous savez ce qu'on me disait ? Que je leur mentais. Que j'étais démago, quoi. C'est-à-dire que je leur mentais, c'était pas un vrai vin. Même les élèves me disent, au début, « Madame, ce n'est pas possible. C'est pas possible que moi j'ai 16. L'année dernière, j'avais 7. » C'est surtout les premières ES avec les secondes... Ils avaient très mauvaises notes en seconde. Et là, ils ont mon premier contrôle, ils ont, par exemple, 16, 15. Madame, ce n'est pas possible, j'avais 6 en seconde. Et il en faut un deuxième, un troisième, pour leur prouver que c'est vraiment leur niveau. Vous savez, il n'y a pas de mystère, ils ont révisé, ils m'ont écouté en cours. C'est un élève normal. Ils ont écouté en cours, ils prennent leurs notes, leurs corrigés, ils révisent. Sur la liste, on ne donne pas les corrigés, c'est très important. Et on me reprochait un truc très très fort, là aussi j'emploie le mot violent, que je ne les préparais pas, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait du mal, je ne les préparais pas à la jungle impitoyable de la vie. C'est horrible de vous dire ça. C'est quand même une responsabilité, tous ces jeunes que j'ai devant moi. Alors voilà ma réponse très 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 réfléchie. Elle est en 2 parties. Premièrement, personnellement.
J'ai 3 enfants, j'ai beaucoup de j'ai 61 ans, j'ai eu beaucoup d'élèves, beaucoup de petites têtes devant moi. Je peux vous dire que je ne imagine même pas m'être levée un seul jour en regardant mes 3 enfants déjeuner ou en voyant tous mes élèves dans la journée après, penser une seconde tout ce que je faisais, c'était pour les lancer après dans une jungle impitoyable. Donc ce n'est pas ma philosophie personnelle de vie. Je ne vois même pas comment j'aurais pu penser à ça en regardant toutes ces petites têtes. Donc personnellement, je trouve ça monstrueux de leur faire croire qu'il y a une jungle impitoyable. Bon, je serais avec Las Vegas il y a 3 et quelques jours. La jungle peut-être se rapproche. Donc mettons que je sois naïve. Je pense de façon très prétentieuse et je l'affirme. Je pense qu'en faisant que mes élèves se décontractent, alors qu'ils ont 1000 soucis ailleurs, tentative de suicide, anorexie, je vous passe tout ce que tout le monde a avec les ados et les petits avec tous leurs problèmes aussi de sans-papiers, etc. Mais je prends des ados qui n'ont même pas tous ces autres problèmes, qu'ils ont juste ados. Je peux vous dire que j'ai l'impression qu'en les décontractant, qui se redressent, qui se déplient en disant « c'est pas possible, j'y arrive, ce prof-là il dit que je suis vraiment capable de le faire ». Non seulement il me le dit, parce que je leur ai toujours dit qu'ils étaient capables d'avoir 3 alors qu'ils avaient 2. Non seulement il me le dit, mais c'est vraiment vrai. C'est des adultes, c'est pas en tant que prof, j'en ai rien à faire d'être leur prof de maths. Je suis un adulte en face d'eux. Et ils ont beaucoup de problèmes avec les adultes à cet âge-là. Et je peux vous dire que quelques adultes avec qui passent la journée, c'est-à-dire nous les profs, on peut quand même leur donner un peu de décontraction dans la journée et que quand ils repartent le soir, leur vie reprend peut-être. Mais je trouve que c'est avec prétention, je pense que c'est un rôle très utile pour préparer à l'éventuelle jungle si elle existe. Donc ça, c'est très prétentieux, mais je le pense sincèrement. Donc les élèves reprennent confiance en eux, mais ils n'en reviennent pas. Et il faut toujours faire 2 contrôles, parce que la première fois, ils disent « Madame, mais vous avez mis le même, je vous l'avais dit. » Attention, c'est très fort en maths. 6x plus 5 égale 2, 6x plus 5 égale 2. Je ne mets pas 3, je mets 2. Parce qu'autrement, on adorerait, nous au début, on a supplié André de changer les données. On a dit, on n'a pas compris, c'est pas possible, il veut qu'on mette les mêmes, imaginez, en maths. Alors, comme il dit, chacun croit qu'en sa matière, c'est pas possible, et qu'en l'autre matière, c'est possible. Mais on croit que c'est possible en maths, parce que nous, je vous le présente en maths. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de profs de maths qui disent tout sauf en maths. Donner les mêmes exercices. Et donc, il faut qu'ils le voient au moins 2 fois, même si vous leur dites, ils ne vous croient pas. Donc les élèves reprennent confiance en eux, amélioration des relations parents-école. Ça nous touche beaucoup aussi. On est dans une réunion avec André qui est à... C'est des relations parents-école, justement. Comment ça s'appelle? Comité parents-école, je ne sais pas. C'est pour travailler et essayer de faciliter l'accès à l'école des parents. Moi, j'ai toujours trouvé que les parents étaient exclus. Même en tant que prof, on se sent exclu. Alors j'imagine des parents qui n'ont pas d'accès. Vous savez, par exemple, j'ai des premières S. Les premières S, les parents ne peuvent généralement pas aider en maths. Normal. Mais à partir du moment où ils ont été au courant, en septembre, moi je ne donne pas de papier, mais il y a des collègues qui donnent des papiers, qui font des réunions, etc. Moi je parle à mes élèves, c'est des lycéens. Et j'envoie les gens sur le site le soir même, ils y vont, je peux vous dire. Les parents sont au courant qu'il va y avoir une liste avant chaque contrôle. Et que tout ce qu'il y a sur la liste, ils vont pouvoir prendre le cahier de leur enfant, ils ont les corrigés. Même si leur enfant a 15-16 ans, un bel ado qui dit... là, le parent, il peut dire, normalement, si tu suis... Vous voyez, c'est clair. Soit il ne retrouve rien dans le cahier, parce que l'élève n'a pas pris les notes, il le sait. Soit le prof ne joue pas le jeu, il le sait aussi. Mais généralement, le prof qui fait ça joue le jeu. Donc, le parent est beaucoup plus décontracté aussi face à l'évaluation. Et pour les petits, donc en primaire, c'est un bonheur. Parce que
à part évidemment toutes les difficultés liées à la langue, etc., et au niveau culturel, mais pour d'autres parents qui pouvaient aider leurs enfants et qui n'arrivaient pas à savoir ce qu'il fallait réviser. Et ça aide aussi beaucoup tous les personnels d'assistance à l'étude, vous savez, qui aident, puisqu'il suffit, ça André en parlera sûrement. Alors du coup, après, c'est des témoignages d'élèves. Donc, il y en a plusieurs, c'est mot à mot, on en a des milliers, parce qu'au début, André nous surveillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai fait les 4 points trop difficiles. Vos élèves sont notés sur 16. Alors que maintenant, mon exercice difficile, je le mets sur la liste. Un exercice très difficile que je n'aurais pas osé mettre avant. Je peux vous dire que j'ai été inspectée, et qu'on aurait vu nos niveaux, et tous les collègues en France sont inspectés. Je peux vous dire que les contrôles de ceux qui font EPCC sont disséqués. Si on avait vu que c'était tout rikiki rabougri, on aurait tout de suite, on nous aurait, obligé à arrêter. Donc là, le niveau, au contraire, augmente. Moi, j'ai mis des exercices que j'aurais jamais osé mettre puisque je les ai corrigés avant. Donc c'est pas du tout un niveau par le bas. Pas du tout, du tout, du tout. Je préfère cette façon parce qu'il n'y a pas de piège. Donc au début, oui, je vous disais, chaque contrôle se terminait par un petit papillon. Chaque élève nous disait ce qu'il en pensait, etc. Des milliers, il en a. Donc j'en ai recopié, moi, quelques-uns, mais c'est mot à mot tous les mêmes. Il y a très peu d'élèves qui ont des critiques, et les critiques sont surtout les très bons élèves qui sont un peu énervés de ne pas rester bons tout seuls. Les élèves sont très sains d'esprit, ils aiment quelques petites mauvaises notes à côté. Et avoir tout le monde qui a 18, c'est eux que ça inquiète. C'est une mentalité, ça s'appelle une philosophie, c'est tranquille. Toute la classe peut avoir 18 ou 20. Moi, j'en rêve, je ne l'aurai jamais, puisque je prends ma retraite là, mais j'en aurais rêvé. 35-20. C'est très dur quand même pour les élèves. Alors, je préfère le PCC parce qu'on sait ce qui va nous attendre. Au moins, on n'apprend pas des choses pour rien. On m'a beaucoup reproché aussi l'utilité que j'attachais au travail. Moi, je suis désolée. J'ai 1000 autres choses à faire que de travailler si ça ne sert à rien. Je veux dire, moi, je les comprends peut-être. Mais j'ai beaucoup insisté sur l'utilité du travail. Je préfère le PCC parce qu'à la maison avec maman, c'est plus facile à réviser, à faire les exercices. Quand on est collège, mais c'est exactement les mêmes. Quand on est averti, on sait ce qui nous attend. On n'a pas d'excuse si on a une mauvaise note. Ils ne peuvent pas nous dire, madame, j'ai travaillé 3 heures et voilà le résultat. Aucun élève qui travaille 3 heures n'a une mauvaise note. Il n'a pas 20. Il n'y a pas 20. Mais même 7 ou 8, c'est très dur pour un élève. 9. Quand je pense que j'ai mis des quantités de 2, de 3, de 1, je n'ai jamais mis de 0, je pense, de ma vie. Mais quand vous mettez 1 parce que vous ne vous autorisez pas à mettre 0, c'est un peu la charité quand même. Là, c'est pour ça qu'en lycée professionnel, ils sont très intéressés par ça, parce que des fois, ils mettent des bonnes notes pour pas les perdre. Alors qu'avec le PCC, l'élève a fait son travail, il a une bonne note, mais il a travaillé. Donc les collègues de lycée professionnel sont des fois un peu obligés de mettre des bonnes notes et n'aiment pas. Alors que là, c'est des vraies notes. C'est mieux et plus juste, car ceux qui écoutent et qui travaillent chez eux ont des bonnes notes, les autres des mauvaises. Ça incite plus à réviser chez soi. Alors ça, ils adorent, donc quelques mauvaises notes. On sait ce qu'il faut travailler, comme ça on refait les exercices et on étudie. Et ils sont libres d'organiser leur travail. Vous avez toujours des élèves qui viennent vous voir en disant « Pas la peine de vous énerver. Je suis allée voir ma copine, peu importe. Je n'ai pas eu le temps de réviser. » C'est pas le hasard, c'est pas leur vie qui dépend de ce que vous mettez, leur passage dans la classe supérieure. Ça change tout, ça s'appelle un vrai climat de confiance. Alors ça, c'est tous mes élèves. Donc vous allez voir le mot « utile » toutes les deux lignes, vu que je leur dis que c'est utile. Mais moi, il y a toujours des profs pour moi qui sont d'une naïveté qui est même attendrissante, qui croient qu'ils sont assis à leur bureau, tranquilles, ils ne font rien pour de plus. Il faut que les élèves soient d'office captivés par la matière et leur cours. Pas leur personne, c'est le contraire des collègues qui ne veulent pas du tout... Moi, je reconnais que j'y mets vraiment du mien. Je fais une heure très active, je suis très proche d'eux. J'essaye de les garder dans mon giron pendant une heure, chaque heure. Mais
Donc je préfère ce type d'évaluation, car je trouve que ça nous incite plus à réviser. On peut avoir une bonne note si on a bien révisé, tranquille. On peut avoir son code si on a révisé le petit livre du code de la route. Et l'on peut avoir une bonne note si on a bien révisé. C'est pas polytechnique qu'on leur demande, c'est un niveau normal, collège ou primaire, collège, lycée. C'est pas du tout les grandes écoles, etc. On se retrouve avec une mauvaise note, avec les évaluations usuelles, on révise et on se retrouve avec une mauvaise note. Ne supporte pas ça. On est sûr que le temps qu'on passe à réviser va nous rapporter des points. Bon, c'est les miens, on reconnaît le mot rapporter. Cela va permettre d'étudier utile, l'évaluation ne sera pas là pour nous piéger. Le PCC, donc, c'est l'évaluation par contrat de confiance, donne confiance en soi. Cela nous encourage à travailler. Bon, ben voilà, je voulais vous présenter mon témoignage. Merci beaucoup.